Et voilà les amis, voilà. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Et c'est ça qu'on kiffe. Ce son là les gars, ce son, c'est ça qu'on kiffe. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo les gars. Bon, alors les potos, ce qu'on va faire c'est que on va faire de la course. Donc là comme vous voyez, on a du drag. Donc allez, on est parti en médium, c'est parfait. Donc on est parti pour continuer le jeu, avancer, progresser dans le jeu. Et si, enfin logiquement ça devrait être bon, parce qu'il me semble que la dernière course j'avais débloqué des accessoires pièces moteur. Donc après, ce qu'on va faire c'est que on va aller se faire une custom déjà esthétique et aussi d'un point de vue moteur, parce que là la voiture est full originale. Allez go. Ok, le passage au rapport était bon. Donc entre temps, entre la première vidéo et celle-ci, c'est passé pas mal de choses. Donc j'ai amélioré la qualité graphisme du jeu, tout ce qui est graphique et tout ça, visuel du jeu, j'ai tout amélioré, j'ai tout mis en ultra. Après, là maintenant, je rec via, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Nvidia, je sais pas quoi. En fait, c'est avec la carte vidéo, hein, la carte vidéo de l'ordi que je rec mes vidéos. Voilà, donc j'espère que ça ira bien, j'espère que les réglages seront bons, le son sera bon, tout ça. Dites-moi ça en commentaire si tout est bon pour vous. Non, on est en grosse qualité, vous voyez, hein, là on a full reflet sur le véhicule, tout ça. Donc on a quand même des assez bons graphismes, étant donné la vieillesse du jeu, quoi. C'est un jeu qui date pas d'hier. Hein. Donc allez, on continue, next race, voilà. On va voir la course numéro 2, ce que ça va donner. Alors qu'est-ce que ça va être déjà? Ouais, ça doit être une course de drague alors aussi. Ok. Ouais, on est bel et bien sur une course de drague. Une fois de plus. Allez, go. Voilà, avec notre petite 206 full origine, les gars. Alors, je vais me prendre de l'aspi là parce que sinon, ça va pas aller, je pense. Allez, à fond. Là, je vais me mettre derrière celui-là, là. J'ai toujours pas de noce, hein. Là, on est toujours sur une voiture full origine, les gars. Full origine. Ah ouais. Allez, hop. Ah putain, j'ai passé la vitesse trop tôt. Hop là. Non. Par là. Allez. Ça va le faire. Ah, lui, c'est mangé, chais. Il s'est mangé les camions, les gars. Oh là, la mandeur. Ah, là, il y avait un saut. Ok, c'est bon. J'ai terminé premier sur la seconde épreuve. Donc là, maintenant, on va attaquer la troisième et dernière. Et j'ai débloqué un truc, j'ai pas eu le temps, je suis vite passé dessus, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Donc dernière épreuve les gars, dernière épreuve, allez. Ouais, c'est vrai que le chrome des jantes et tout, c'est pas mal fichu là. Hein. Là on est quand même sur une bonne qualité de jeu malgré tout. Allez, go. Ok, passage vitesse, ok. Première, deuxième, boum, troisième. Là j'ai l'impression qu'il y a du monde là dans la voie centrale. Oh putain. Non, tourne. Wow. Alors là, je me suis littéralement yège dessus, les frérots. Incroyable. Allez, à fond. Ok, ça c'est bon. Là, on a un camion qui arrive, qui va nous casser les bons becs. Allez, rétrogradage. Hop, par ici. Oh là là, mais c'est quoi ça? Wow. Non mais tout est fait exprès pour nous ken la course là. Hein. Bon, en tout cas, winner, c'est cool. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai gagné, les gars? 500, 1100 et 5000 balles. Et j'ai débloqué performance de niveau 1, les gars. Bon, bah écoutez, de suite, sans plus attendre, j'ai encore débloqué d'autres trucs, la performance des freins. Et je sais pas trop ce que c'est ça, mais ok. Allez, on continue. Oui, j'aurais bien aimé faire une course quand même en full origine. Et après, voilà, donc ça c'est parfait. On va se faire cette course vite fait et après on va la booster à mort, les gars. On va la booster à mort. Donc là, c'est cool, j'ai débloqué des trucs moteurs, ça fait plaisir. Bon, alors les potos, quoi vous dire? Donc là, comme vous savez, je tourne sur PC. C'est vrai que là, dernièrement, j'ai acheté pas mal de jeux PC que vous aurez au fur et à mesure du temps, hein, en vidéo. Notamment un vieux Need for Speed Most Wanted, pas le vieux, pas le premier, parce que le premier est tout simplement introuvable actuellement. J'ai essayé toutes les plateformes pour acheter, hein, le jeu, donc le Need for Speed 2, le Most Wanted,
introuvable. Donc là pour l'instant c'est uniquement téléchargeable, et c'est vrai que j'avais téléchargé Underground 2, je m'étais pris un virus. Donc bon, pour l'instant stand-by à ce niveau là mais c'est vrai que j'ai acheté le Most Wanted, alors je crois que c'était 2010 ou 2015, je suis pas sûr, mais c'est pas le premier, en tout cas ça c'est sûr, c'est pas le premier Most Wanted, c'est le deuxième. Donc ça, vous aurez des vidéos un de ces quatre. Pareil, j'ai dernièrement acheté pas mal de jeux autres que les Need for Speed sur PC. Donc il y a des jeux récents, il y a des vieux jeux. Le but étant de faire un peu des vidéos sur PC, histoire de voir la qualité visuelle, autant des vieux jeux que des jeux plus récents. Voilà, j'ai envie de pousser un peu mon ordi et j'ai envie de le tester, tout simplement. De tester. Et de le rentabiliser. Parce que bon, il m'a coûté une blinde, donc j'espère que les qualités des vidéos et des jeux seront à la hauteur de mes attentes. Voilà, donc on verra ça quand je ferai les vidéos sur ces jeux. Bref, ok, donc là j'ai la voiture qui part un peu en cacahuète, on est sur le deuxième tour, deux tours sur trois. Ouais, donc il y a d'autres jeux aussi que j'ai pris que j'ai hâte de tester, notamment avec des mods. Donc ça c'est pareil, hein, on testera ça, un de ces quatre, j'ai hâte les gars, franchement j'ai hâte de faire tous ces jeux. J'ai pris d'autres jeux aussi en essai, et des jeux que vous y attendez même pas du tout, mais tout en étant dans un jeu de course bien évidemment, en restant dans le thème de la chaîne. Ça risque d'être fort intéressant. Oh, allez, petit saut, donc là on bloque à 190. Hop. Alors là, j'ai mis un coup de frein quand même, parce que sinon on était mort. Là pareil, j'ai mis un coup de frein, mais ça a quand même fait tout droit. Donc ok, on a vu que la VMAX on était à 190 et des brouettes. Alors hâte de tester, enfin de booster la caisse là. Pour à combien elle va monter une fois boostée. Et on va lui faire notre première customisation les gars. Waouh, ça va être terrible. Pareil, à l'avenir j'aimerais du coup sur ce jeu là prendre la Ford Focus. Parce que à l'époque j'avais joué d'innombrables heures avec la Ford Focus. J'avais même terminé le jeu avec cette voiture. Hein. Et je me rappelle à l'époque, avec le frérot on faisait des courses, mais alors le nombre de courses qu'on avait dû faire, c'était incroyable. À chaque fois ça se jouait à rien du tout. À un freinage, à un truc, pour gagner la course. Bref, en tout cas, là, j'ai envie de dire. La blonde qu'il y avait derrière. Pas mal du tout. Pas mal du tout les gars. J'avais oublié ces petits détails là de gonzesse et tout. Là. Allez, ok. Donc là on est bon. C'est vrai que même dans le jeu, il me semble que on pouvait terminer genre en affiche, en première page de magazine de voiture tuning. Il me semble qu'il y avait ça. Hein. Il me semble qu'il y avait ça. Bon bref. Vous avez vu les reflets sur le capot, c'est quand même pas dégueu. Hein. C'est quand même pas dégueu. Hein. Donc ok, on continue, 3800 balles, parfait. On continue, restart, pas du tout. Continue, plutôt oui. Bon, et de là maintenant, on est parti pour customiser notre truc. Alors déjà, on va faire tout ce qui est body kit. Ouais, donc on va faire déjà celui-là, pare-choc avant. Donc c'est 500 balles, hein. 500 balles le pare-choc. On va mettre ça, le pare-choc arrière. 500 balles également. Allez, hop, on valide. Pour ce qui est des bas de caisse, du coup... on a ce modèle là qui est pas mal. On a également un aileron les gars. Voilà, les autres ils sont bloqués, donc on va mettre celui-là. Le capot. On a ce modèle là où on a celui-là qui a 300 balles, donc on va valider ça. Du coup les prises d'air de toit, donc ça j'ai pas encore débloqué. Après les jantes, bon les jantes je les ferai plus tard. Accessoires, néon, ça j'avais déjà fait, donc déjà dans la première vidéo. Tout ce qui est feu. Non, ça, les feux, on ne peut pas les faire pour le moment. C'est encore bloqué. L'échappement, bloqué également. Vite teinté, green et black. Ok, donc pour l'instant, on va rester sur celle-ci. Ok, après la couleur, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Les décalcos, c'est pareil. Alors ça, c'est quoi ça? Ouais, ok, d'accord. Bon, ok, ça marche. Ça, pour ça, on est bon. Maintenant, pour tout ce qui est performance. Donc là, voilà, on va mettre ça. Ok, on installe. Alors vous avez vu, hein, on a pris en accélération. Là, on prend en top speed. Regardez le top speed, les gars. Le top speed, plus rien à voir. Et l'accélération un petit peu également. Ok, donc ça, on le valide.
Ok. Après, maintenant, pour ce qui est des pneus. Donc là, on prend un comportement, forcément. Donc Yokohama, donc ça c'est ce que j'avais sur ma 7 Leon à l'époque. Donc allez, petite dédicace à ma 7 Leon. Et là, on a le kit ECU. Donc là, c'est tout ce qui est l'électronique. Bon, regardez les gars, le top speed. Incroyable. Là, ça explose le top speed et on gagne aussi en accélération. Donc allez, on va valider ça. Alors, quelle marque on va mettre? Là, on a Apex, AEM. Bon allez, on va mettre celui-là. Ok. Et est-ce qu'on peut mettre un turbo? Bon les gars, on peut mettre un turbo! Oh là 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 là! Bah écoutez, on explose au niveau de l'accélération. Donc on va valider le petit turbo. Allez, on va mettre ça. Allez hop. Ok. Alors là, logiquement, la 206 du Seigneur, elle va s'envoler littéralement. Donc là, on gagne en comportement, en freinage, hein, tout simplement. Ouais, AEM, AEM Brembo, ouais, donc ça c'est ce que j'aime bien. Ok. Réduction de poids, on peut pas mettre les suspensions non plus et le kit NOS non plus. Donc on n'a pas une voiture encore full, hein. Mais bon, on commence à être pas mal là. On commence à être vraiment pas mal. Regardez la gueule, elle a quand même une belle gueule. Allez, on va tester ça et en plus directement sur une course de drag. Bon, en médium, c'est parti les gars. C'est parti. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va être sur un monstre maintenant? Logiquement oui. Oh, le chrome des jantes était incroyable. Elle part comme une balle. Elle part comme une balle, les gars. Oh putain, et le... attendez, parce que là, j'ai même pas vu le point vert avant de passer la vitesse. Ah ouais, donc là, c'est vraiment, elle monte beaucoup plus haut dans les tours. Hein. Alors là, je reviens ici. Ok. Ah, j'ai fait... j'ai tiré un peu trop dans la vitesse, là. Regardez en bas à droite, maintenant on a le petit manomètre de turbo qu'on n'avait pas tout à l'heure. Oh, c'était quand même vraiment bien hein, ce jeu, putain, il était vraiment bien. Ok, donc c'est bon, j'ai gagné, c'est cool. Et j'ai pas vu la VMAX, j'ai pas vu la VMAX. Allez, on continue, donc j'ai gagné 900 balles. J'ai gagné 750. Et j'ai débloqué du coup une nouvelle course de drag. Allez, on continue. Yes! Allez, race map, on a un sprint. Voilà, donc là on va kiffer un peu, on va s'amuser les gars. Allez, la Golf 4 GTI. À droite on a une Lancer. Et une petite Mazda. Allez, c'est parti, nous on est avec notre 206. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Des voitures accessibles au grand public. Putain, maintenant dans les jeux, hein, on a que des gros monstres. Limite inaccessible. Et on commence avec des gros monstres. Non, il faut commencer avec des petites voitures, pas chères. Qu'on puisse booster au fur et à mesure du temps et qu'on puisse progresser. Ça, c'est bien. Et vous avez vu, hein, chaque course, hein, chaque course, on gagne. Et on débloque des améliorations, des nouvelles courses, des vinyles, etc., etc. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Voir la progression dans le jeu. Et là, je suis en train de me faire clairement défoncer. Donc, la progression, c'est bien beau, mais... Le pilotage c'est mieux. Je me suis littéralement appuyé contre lui. Ah là, regardez. C'est vrai qu'on avait des raccourcis dans tous les sens hein, dans ce jeu là. Oh, par contre, pour bien le prendre, c'est compliqué. Hein. Oh là 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 là. Allez, je suis troisième. Oh, elle est chaud en axe là la course. Hein. Ah là, encore un raccourci. Ah ouais, punaise, j'avais oublié tout ça. Et là, ça. Franchement, ça envoie quand même. Hein. On est à 180 km/h. Hein. Oh là 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 là. Ça tourne là. Allez. Le freinage n'a pas suffi. J'aurais dû tirer le frein à main peut-être, mais. Ouais, ok, donc c'est bon. Je sais c'est quel bouton le frein à main. Vas-y, bouge toi, bouge. Ah, ça par contre, c'était relou. Dès qu'on se mangeait un mec là, comme ça, il nous perdait. Il nous faisait perdre un temps de ouf. À mon avis, je vais pas la gagner cette course. Hein. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Ah, il faudrait que je m'arrache jusqu'à la fin de la course. Ah, quoi qu'ils sont déjà là. Hein. Ah, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire, les gars. Hein. Ça peut le faire. Allez. Ah, oh, la ligne d'arrivée est juste là. Allez, allez, allez. Ah, oh, dommage que j'ai pas de NAS. Allez, oui. Oui.
faut pas que je me boite par contre. Ok, oh, les arbres. Ah, ça vous kiffez quand je me boite les arbres. Hein. Allez. Allez. Bah, 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 ça m'a mis la pression, les frérots. Incroyable, incroyable, stylé. Bon, et franchement, ça commence à être dur. Hein. Le level commence à monter, là, hein. Petit à petit, ça se voit direct. Bon, j'ai gagné 1000 balles. Et j'ai débloqué encore un truc. Bon, ok. Following visual. Donc ça, c'est des autocollants. On continue. On continue, les gars. Bah, quel régal, quel régal. Du drift. Allez, les potos. On va drifter. Prah, c'est flambant. Et c'est vrai que, du coup, le Underground 1, il n'y avait pas... C'était pas un monde ouvert. Hein. C'était juste une succession de courses, en fait. Hein. Et c'est vrai que, du coup, sur le Underground 2, ben, boum, on avait le monde ouvert, hein, avec les différents garages, peinture, les carrosseries, tout ce qui était pièces de performance. Ouais, j'essaie de me concentrer en même temps sur ma course. Hein. Alors, est-ce que... Voilà, en tirant des câbles, les gars. C'est pas mieux en tirant des câbles. De suite, on pète un peu mieux les scores. Hein. Alors, hop. Ah, dommage. C'était sympa. Hein. C'est vrai que c'était sympa, hein. Punaise. Ah, il y a encore des tours. Eh ouais, j'avais pas fait gaffe. Il y a encore 2 tours. C'est sur 4 tours. Alors, je sais pas combien il faut faire. Hein. Allez. Prah, c'est flambant, les gars. C'est flambant. 3000 points. Encore un dernier tour. Je vais essayer de prendre la vitesse. Mais par contre, pour les enchaîner, les drifts, c'est compliqué. Hein. Allez! Yeah, pas bébé! Bon, voilà, on est bon. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne là au niveau des points? Je pense que j'ai la voiture... Ouais, 59 000. J'ai la voiture qui ne doit pas être encore assez puissante vraiment pour enchaîner les drifts. Mais bon, on commence à être pas mal quand même. Ok, j'ai de la thune en plus. On continue. Ah, c'est un régal, les gars. C'est un régal. Alors là, on a un tournoi. Ouais, bah, par contre, je vais pas faire le tournoi maintenant parce que ça risque de durer trop longtemps. Pourquoi pas la faire dans une prochaine vidéo en cas. Alors du coup, il me semble... là c'est quoi? Ah voilà, donc là c'est les différents véhicules qu'on peut acheter. Ah ouais, du coup il nous laisse la déco de la 206 à chaque fois. Ça c'est un peu nul par contre. Je me rappelle de ça. À chaque fois on avait la déco de la même voiture. Mais c'est juste que ça a changé la marque en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est la Mazda. À chaque fois c'est la même déco. Le même kit carrosserie que j'ai mis sur la 206 qui va revenir sur toutes les voitures. Et là, du coup, voilà, là, c'est la Ford, la fameuse Ford Focus. Ah oh là là, j'ai trop hâte de la faire en custom, les gars, celle-là. Il va falloir que je farme encore, que je débloque pas mal de thunes. Et après, on se la fera comme je l'avais faite, moi, à l'époque. Et là, c'est du lourd. Hein. Franchement, c'est du lourd. Bon, bah, les potos, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter là. Les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme d'habitude, pour me rejoindre. Donc, c'est sur les différents réseaux sociaux. Donc, Instagram, Discord... Vous avez ma chaîne Twitch, mes partenaires Instant Gaming, Burn Controller, Ubisoft aussi. Vous avez mon code créateur Ubisoft, donc Gaming06 si vous voulez acheter un jeu sur leur site. Peu importe lequel, vous tapez Gaming06 et du coup ça me soutient. Les potos, je vous dis bon game à tous, à très vite pour de prochaines aventures. Et à tous les amis, à tous. Allez, ciao!